d'entre elles circulent sur le réseau français. À l'occasion de l'exposition universelle de New York en 1939, elle part représenter la France. Voir pour la Micheline destinée à figurer au est utilisée pour cette opération. Un bâti spécial a dû être construit sur le pont du navire pour la mise en place de la Micheline. Pendant 50 ans, les Français continueront d'appeler tous les montagnes. Les élections législatives remportées par la gauche portent le Front populaire au pouvoir. Un mois plus tard, la France est paralysée par le pouvoir de la gauche et le Front Savoir. Dès son arrivée au gouvernement, Léon Blum, nouveau Premier ministre, convoque les partenaires sociaux. Le gouvernement fait la difficulté de sa tâche. On est au pays, fera tout ce qu'il est en lui pour y être égal. Le 8 juin, les premiers congés payés sont acquis. Dans la foulée, Léon Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport, aux loisirs et à l'éducation physique, convoque les compagnies de chemin de fer encore privées à l'époque. Son idée, obtenir des tarifs réduits pour tous ceux qui partiront bientôt en vacances. La négociation s'engage. Peu d'informations filtrent de la réunion. Lagrange obtient finalement une réduction de 40% sur les billets de 3e classe, des billets de toute destination. Les travaux reprennent aussitôt et la ligne barre à nouveau la salle de montagne. Les ingénieurs décident de passer par-dessus le tunnel des montées, Bercy, Comines. Relié au monde toute l'année, le massif du Mont Blanc a attiré des foules de plus en plus nombreuses. Le 24 décembre 1936, pour le premier Noël de l'ère des congés payés, 4000 touristes débarquèrent des trains de nuit en gare du Fayet. À peine réveillés, ils se ruèrent vers les automotrices du train de Chamonix. Thank you.
permet de déplier la mèche dans le rond de la voie, car le contact serpent-chauffeur entre les roues de la voie doit toujours être assuré pour le bon fonctionnement de la poussée. Ce n'est pas la seule difficulté liée au franchissement des montagnes. L'obstacle le plus important reste les rampes à monter ou à descendre pour franchir les montagnes et traverser des massifs comme les Alpes ou les Pyrénées. D'habitude, les trains ne peuvent pas monter des rampes qui dépassent 35 mm par mètre, soit 3,5%. La voie hélicoïdale est une première solution. Construite à flanc de montagne sur l'échafaudage du bois ou de métal, elle tourne sur elle-même pour s'élever jusqu'au sommet des cols de montagne. Mais c'est une solution complexe, chère et lourde à mettre en œuvre qui s'est révélée sans grand avis. La voie à crémaillère est une autre méthode plus directe qui prend la pente de face. Elle grimpe à la mer de glace au pied du Mont Blanc et celle de l'Arrêté, de l'abbaye de Montserrat en Catalogne, ou encore du mont de Manifestrins dans les Rosettes. Les rampes escaladées sont allégées et peuvent aller jusqu'à 27 ou 20 mètres. Le système de Deauville de 60 cm d'écartement peut aider le travail. Les unités du génie ferroviaire jouent alors un rôle capital. Dans le corps expéditionnaire américain, un incontestable succès. Mais c'est aussi un succès. Parce qu'on avait donné la priorité à la vitesse plutôt qu'à la souplesse, on n'a pas su modifier le plan pour le veut unanimement faire du séjour de ces autres royaumes une fête dont le souvenir demeurera dans toutes les mémoires. Un spectacle splendide et joyeux, digne du plus grand roi du monde, digne de l'amitié que la France porte à leur majesté. Après l'échec de la guerre externe, l'extrême dilatation un nouveau lien entre les Français et lui. Les nouvelles compagnies de chemin de fer le comprennent aussi. Trois d'entre elles, la Compagnie du Nord, la PO, la Compagnie de l'Est et le PLM, décident de mettre à disposition des trains spéciaux. En 1870, toutes les grandes lignes sont construites et les principales villes de France sont reliées à Paris. Les premiers transports Thank you.
précédente et vient désormais en voiture salée. Son voiture peut... Ah, c'est faim!
Au début, on pourra habiter chez lui. Il a déjà un travail pour moi, j'ai deux mains et du courage à revendre. Ah, j'ai faim! Attends un peu pour la minestre. Je l'entends déjà, la maman. Uno, due, tre, a tavola. Tu vois, maman, on sera très heureux là-bas. Ah, si. Quel monde! Oui, il faut dire que c'est bien pratique. Il y a de plus en plus de gens qui prennent le train pour aller travailler. Il est 7 heures, si on n'a pas de retard, on sera à l'heure. J'ai toujours peur de ne pas arriver avant 8 heures. En bon comptable, j'aime bien avoir de l'avance. Il est toujours à l'heure pile. C'est le muret qui s'en va. Terrassé, c'est bien connu, on va finir plus bas. Arrête pas de serrer mes godillots. Tu veux un petit coup de gueule pour faire passer? Eh ouais. T'as vu cette tâche à la vocaux? Oh, on va tarder à arriver. Et où est-ce qu'il y a le carcasse pour ce tir-là? Voilà. Je suis élevé dans sa cagoule, mais il ne veut personne. Pourtant, c'est bien passé. Vous êtes piqué de la partie de l'enfer. Les Italiens sont tous pas ici, apparemment. Non. C'est ça qui est la charme. C'est ça qui est trop bien. C'est quoi, un peu plus grand père? Qu'est-ce que tu dis, maman? Qu'est-ce que Ah, j'ai faim! Attends un peu pour la presse. Vous êtes là. Merci de m'avoir donné une place. Vous rentrez bien. Je vous rentre bien. C'est vraiment gentil à vous. Ça fait toujours peur de ne pas arriver avant 8 heures. En bon comptable, j'aime bien avoir des réponses. Vous recherchez la vérité sur la mort de Samuel Edouard Rachel, alias Pacifique, assassiné à Cocoto, nous sommes tous à terre d'Ostantine. C'est ça qui est la charme, c'est ça qui est trop bien. Un gant de Mont-de-la-Marche, et par la neige, à 1 h 30, ainsi qu'on donc, j'en déduis qu'à ses pères, il est impossible à quiconque de quitter le train. Et ma femme, pour la part est très simple, madame. Elle reconnaît comme le vôtre le mouchoir que je lui présente, mais s'efforce de détourner les soupçons de notre personne. Non, vos explications ne me satisfont nullement. Les copains étaient réunis. À nous, les folles nuits. Vous avez vu Sam ce matin? Je suis allé le voir dans sa cabine, mais il n'y avait personne. Pourtant, ses affaires sont là. Vous a-t-il déjà parlé de ses états de service? Je l'ai trouvé très préoccupé ces derniers temps. Depuis que je le connais, Sam parle un anglais parfait. Mais mon intuition, c'est qu'il est russe. N'ayez pas l'air si aimable avec moi, voyons, c'est que vous avez été connaissance tout à l'heure au fil de... Soyez mon invité, exceptionnellement, en arrivant, je sais... Oh, pour cela. Non, on a toujours la confiance. Patchek, alias Cassetti, assassiné à Cocoto, docteur Constantine, vous qui avez examiné le cadavre, à quand on remonte la mort? En
entre minuit et 2h du matin. Et vous, monsieur Book, j'en déduis qu'à cette heure, il est impossible à quiconque de quitter le train. Comment expliquez-vous les témoignages de ma femme de chambre? Ça m'a paru très simple, madame. Elle reconnaît que... Je ne puis plus tenir. Non, non, vos explications ne me satisfont nullement. Je sais, il existe une... Mais je... J'ai été pas.
Thank you.
Ne voient cependant pas masquer les efforts entrepris sur l'ensemble de la ligne. Les 400 km du parcours Paris-Limoges sont couverts à une moyenne de 140 km à l'heure. Et malgré la traversée du Massif central, Toulouse n'est plus qu'à 6 heures de Paris. Ces horaires remarquables sont réalisés sur une ligne centenaire sans que des investissements considérables aient été engagés. Alors qu'actuellement, les trains français partent journellement 140 000 km à plus de 100 km à l'heure. Son relevage avant même que le
reconstituée de rails sous les électriquement en atelier.